état de conduite, état de repos, la réglementation sociale européenne pour les poids lourds ou tous ceux qui sont soumis à un chrono tachygraphe. Alors quand t'es les veaux, je te dis pas. Et quand t'es les veaux, t'es su des gouttes, hein. T'es les veaux arrivés, t'es déjà les chemins. T'es devant déjà en prison. Là, ça c'est clair et net. Hein. Même que t'as rien à te reprocher, t'es dit putain, va trouver quelque cause et je vais encore payer un procès. Enfin bref. Mais j'aime pas chaud les contrôles, putain, même que j'ai rien à me reprocher, je stresse. Je suis stressé, putain, je vais à un contrôle, je dis, ça y est, je suis stressé, je perds tous mes moyens, puis ils me posent des questions. Et mais là, c'est comme ça, je suis paniqué, ils me posent des questions, je réponds à côté de la plaque, je suis super nul. Bonjour monsieur, vous avez papier du véhicule? Tournevis, c'est un tournevis. Je réponds à côté, mais complètement, hein. Je vous dis tout de suite, hein, ça s'est bien passé, j'ai eu de procès, ça va, j'ai un dépassement de conduite, 4 temps de trop, au lieu de 4 temps, ils m'ont rien dit, ils ont été gentils. La femme, je vous dis tout de suite, hein, très gentille, la dame, ça s'est très bien passé. Mais dans ce genre de situation, tu peux pas t'empêcher de penser des trucs dans ta tête. Tu sais, elle te pose des questions, elle te dit des trucs, dans ta tête, tu penses à un autre truc. Et tu peux pas te permettre de lui dire, parce que tu sais que si tu lui dis, elle va te défoncer de gueule. Exemple, arrive, comme ça, tu sais. J'en ai papier, tout bordel. Après, je peux me permettre de monter. Parce que vous le montez sur les marches pour regarder le chrono, tu sais. Je dis, ouais, t'es pas monté, tu vois. Dame tête, toi, la dame tête, je dis, ouais, hein. Mais dame tête, je dis, écoute, ben, t'es monte, j'ai des lettres sur le marche. Tu me pètes un LED, t'es pas un coup de patte, gueule, Peter. Va te défoncer de gueule, casse-moi un LED, je suis cassé de gueule. Je pense que c'est comme ça pour tout le monde, hein. Juste mes jambes, hein. Mais je pense que c'est tout le monde pareil. Après, après ma vermie, tu sais, à la gamme, non. Elle fait chier Peters. Elle dit, c'est comme t'es veux, j'ai rien à foutre. Hein, j'ai rien à foutre. Elle me dit, c'est vous, Peters Benjamin? Et là, je dis, oui. Et dans ma tête, et je dis, ah ouais, chérie, t'es au crochet, dit. Non, elle est chez Vador. T'es là pas reconnu ou quoi? Elle est chez Vador, c'est la famille, hein. Anakin Skywalker, exactement. Avant qu'il vienne d'un Vador. Ah bon, ça, j'ai pas dit, toi. C'est tous des trucs que tu dis dans ta tête, mais tu peux pas lui dire. Tu peux pas te foutre de sa gueule, en fait. Et puis, je tremble. Tu sais pas pourquoi? J'ai rien à me reprocher. J'ai toujours peur qu'elle trouve quelque chose. Mais. Et je tremble, tu sais, j'arrive pas à me contrôler, tu sais. À deux mains de mes papiers. Je prends un papier comme ça. J'ai pas tout fait comme ça. J'ai donné le feu, j'étais comme ça. Elle dit, ça va pas, monsieur? Je dis, putain, fait froid aussi. J'ai froid. Elle dit, fait 25 degrés. Je dis, je suis quelqu'un très frileux. Hein, faut pas suivre aux apparences. Hein, parce que je suis gras, que j'ai chaud. Forcément. Hein, je suis quelqu'un frileux. Ça paraît pas, mais je suis sud-africain. Donc, je suis pas trop habitué, 25 degrés. Si on a pas 10 de plus, ça va pas. Encore une question qui m'a fait perdre mes moyens. Est-ce que vous avez quelque chose à vous reprocher ou à me signaler sur votre carte? Tournevis. Vous êtes chargé, hein? Ouais, je suis chargé, hein? Donc je lui dis ce que je transporte. Hein? Est-ce que quelqu'un que vous ne connaissez pas a mis quelque chose dans votre morgue? Je dis, vous savez, franchement, même les gens que je connais, ils me donnent rien. C'est pas ceux que je connais pas qui vont me donner quelque chose. Allez, ton pote très grand, tu sais, ton pote très grand. Et mis, je mets mes godasses, interdit, chaussures interdites dans le camion chez Tim Botta. On n'est pas des créas. Alors, elle dit, elle prend ma godasse, monsieur, tu sais. Alors, déjà, quand elle voit la godasse, elle est franc de le prendre avec ses mains. Hein. Elle prend la godasse, elle la met là, monsieur, elle dit, je me permets, hein. Je dis, y a pas de problème. Dans ma tête. Je me dis pas, il n'y a pas de problème. Je me dis, écoute, la cocotte, si tu sens tes mains, tu vas descendre plus vite que t'es monté. Et puis tu vas me péter mes lèvres en plus. Alors, tu sais, après, elle s'en va et tout. Elle s'en va, dit, j'arrive, hein. J'ai attendu 20 minutes. 20 minutes, c'est pas beaucoup, hein. Ça dépend de la situation. Parce que je peux vous dire que j'ai attendu 20 minutes. J'ai l'impression que j'ai attendu 1 heure et demie. J'appelle boss et j'écoute boss. Et j'écoute et m'loute. Et je dis, là, tcho. T'es pas prêt à la carte bleue et carnet de chèque. Et si t'as pas de mes nouvelles pendant 48 heures, c'est chaud, nous. Je te le dis tout de suite. Là, on va se faire désannuncer tout de suite. Hein. Là,
j'ai le sapin. Je lui dis, j'ai le sapin. Gentille, très gentille, la femme. Mais j'ai le sapin. Elle botte, il fait. Attends, elle botte, il fait. Ah putain, tu. Ouais, bah, tu me dis un coup, hein. Je dis, ouais, ouais, t'inquiète pas. De toute façon, si t'as pas de nouvelles, faut pas t'inquiéter, je suis à la chambre d'hôtel. Hôtel de police. Après, j'ai le faux, tu sais. J'ai le faux, Fanny, ta mère est trop, tu sais. J'ai son bandeau derrière, j'ai regardé le chou. Elle dit, putain, le vlog. Ça y est, elle revient. Putain, je faisais des côtes d'Anchette, hein. 5 mètres, 4 mètres, 3 mètres, 2 mètres. Elle me donne le papier, elle dit, c'est bon, il a fait comme, elle a signalé, tout chaud. Un petit dépassement, mais c'est pas grave. Voilà. Putain, soulagement. Eh, j'ai fait comme ça. Je crois que je le kiffe. Je crois que je le kiffe. Elle dit, bah, c'est bon, on peut y aller. Et là, j'ai fait la petite note de trop. J'ai fait la petite note de trop. Elle dit, je dis, c'est bon, ok. Elle me fait, oui, très bien, monsieur. J'ai rien vu de suspect, tout ça. Et là, la blague qu'il fallait pas. Et je dis, c'est parce que, tu vois. Et je dis, c'est parce que je triche, mais je le fais bien, donc vous l'avez pas vu. Putain, elle m'a regardé. J'ai dit, non, je rigole, hein. J'ai mis contact, je m'avais direct. Je m'avais direct. Enfin, voilà, quand je suis tombé en contrôle, là. Hein. Bon, rien à signaler, tout s'est bien passé, mais bon. Pas évident, quoi, hein. Allez.